salut. Yeah, salut Manu. Yo, salut à tout le monde, salut à tous les bossy, salut à tous les lapins, salut à tous les madame ma fille, salut à toutes les familles, salut à tous les ambianceurs. Yo. Une fois par semaine à l'heure où vous nous voyez. Safari naturellement riche, menu varié. Miss Pink, bonsoir. Bonsoir Manu, salut Manu. Salut, comment a été la semaine? Super comme toujours. Qu'est-ce que tu nous proposes pour un menu grand, ce soir? Un grand plaisir ce soir avec le patron Cesaria Abora, Bernard Lavillier et tout de suite avec nous, tu vas nous dire qui est là. J'ai le plaisir pour commencer ce festin de vous présenter Maestro Tito Alma Rosa. Eso, a gozar. El otro día yo fui a casa de un babalao. La letra que aquí te salga, el cablerito te la dirá. O canazón de la letra, Orisa Guaya, la bella ore. La bella ore, la bella ore, Orisa Guaya, la bella ore. O canazón de la letra, Orisa Guaya, la bella ore. Bienvenue parmi nous. C'est un plaisir. Alors, comment tu te sens? Très bien. Tu te sens bien? Très bien. Bon, dis-moi un peu, nous sommes dans les soleils aujourd'hui et ton soleil à toi vient de Cuba. Oui. Depuis quand?
Depuis toujours. Depuis toujours, mais depuis, enfin, je veux dire, depuis quand tu es parmi nous ici à Paris? Ici, ça fait 2 ans, je suis là, quoi. Tu as appris à parler français là-bas? Non, ici. Ici? Oui. Bah, ça a été vite, hein? Oui, mais ça c'est pas très bien encore. Ça te plaît, Paris? Ça adore, oui, j'adore. Tu sais, je vais te dire une chose, grâce à Maestro Tito Puente, on a pu te découvrir parce que... Un copain cubain, là. Ah ouais, vous êtes cubain. On parlera avec Bernard tout à l'heure, mais vous allez voir, parce que nous avons Bernard avec nous, Bernard Lavillier. On va en parler tout à l'heure, lui qui a fait tous ces voyages-là. Alors, toi, tu fais la musique cubaine et tu passes en ce moment dans un spectacle à Paris, non? Oui, c'est une revue musicale, mais ce n'est pas cubaine, c'est argentine. Et bon, je chante des chansons cubaines, c'est au Théâtre Montparnasse, ça s'appelle Mortadella. Et ça se passe bien? Très, très bien. Ben, si ça se passe aussi bien qu'on t'a vu ici ce soir, c'est formidable. J'espère que nous aurons le plaisir de te revoir parmi nous. Et alors, à ce moment-là, peut-être tu feras le meringue de Saint-Domingue? Peut-être, beaucoup. Peut-être, hein? Ouais. Peu dessert. Hein? Bienvenue. Hein? Alma Rosa! Aïe, ah, quel calor, quel calor. Très bien, quand j'entends une musique aussi tropicale, cela me donne des aises et des facilités de parler de M. Bernard Lavillier, que voici, 46 ans, né à Saint-Étienne, Saint-Étienne pour les intimes. Enfant, il voulait devenir aventurier, mais il a fini métalleux et boxeur. C'était la mineure sur métaux. Oui. Enfin, je suis tourneur sur métaux de métier, toi. Et après, j'étais lamineur sur métaux parce que je préférais travailler la nuit. En général, les laminoirs, c'est 24 heures sur 24. On peut pas arrêter un... C'est impossible d'arrêter un au fourneau. Et après, j'étais boxeur, oui, professionnel. Et tu étais dans quelle catégorie dans la boxe? Milourd. Je sais d'ailleurs que tout petit, ton père avait acheté un phonogramme. Je suppose qu'il y avait de la musique de Metec dessus. Parce que plus tard, moi aussi, quand je t'ai mis sur la platine, rapidement, je me suis souvent trouvé au Brésil, à Porto Rico, en Jamaïque, à New York, au Congo. Et puisque j'étais devant les yeux, maintenant, je sais que tes voyages se passent en Asie, maintenant. L'Arménie, la Thaïlande, Bangkok. Je voulais te savoir pourquoi tu dis que, à propos du temps, que les Latinos brûlent le temps, les Africains ignorent le temps et les Asiatiques l'apprivoisent, enfin leur allié. Exact, parce que, effectivement, nous, Latinos, moi, je me situe Latino, hein, plutôt, oui. On brûle le temps un peu comme les sentiments, comme l'amour, parce que c'est l'amour et la mort, c'est très rapproché. Les Africains, eux, sont éternels pour la bonne raison qu'ils connaissent l'homme depuis bien plus de temps que tout le monde, l'homme, l'être humain. Et les Asiatiques, qui sont des gens extrêmement pragmatiques et qui, eux, n'ont pas d'individu, il n'y a pas d'individualisme en Asie, procèdent par clan, si tu veux, et par strate. C'est-à-dire que les Asiatiques, de toute façon, ce que tu ne feras pas toi, c'est le suivant qui le fera, mais l'œuvre, finalement, sera accomplie. Donc, ils déplacent des montagnes sur des siècles, et la preuve en est, ils continuent à le faire. C'est une philosophie, c'est trois philosophies différentes, mais à mon avis, ces trois philosophies-là peuvent se compléter parfaitement, et ces trois philosophies-là, comme un triangle équilatéral, c'est quand même les trois bases sur lesquelles s'appuie la vie. Je te propose un voyage immobile, là, ici à Salut Manu. C'est la musique, ça se passe en Afrique, dans les deux Capricornes, en Asie, chez les Mexicains, ça s'appelle la transe. Tu veux bien essayer? Je veux bien essayer le Makossa. Bienvenue à Salut Manu Lavillier, bienvenue aux voyageurs, bienvenue, ouais. Salut Manu. Quand Salomé dort, elle est protégée par la Yémanja. Quand Salomé rêve, on dirait qu'elle entend des bossanovas. Ses yeux voilés de terre au ciel et de berceuses vénitiennes. Ses yeux de sable volcanique, ses yeux de fado nostalgique. Quand Salomé chante, elle a l'aisance d'une habanera. Quand Salomé pense, on dirait bien qu'elle ne reviendra pas du pays où courent les gazelles, des animaux de l'autre bord. Ses yeux de nuit, mais que voit-elle? Ses yeux de nuit, mais d'où vient-elle? 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 Mais d'où vient-elle? D'où vient-elle? D'où vient-elle?
Salomé sort, je ne demande jamais où elle va. Quand Salomé rentre, elle dit ce que je cherche n'existe pas. Les guerriers la suivent en silence. Les hommes venus entre deux. Grand immobile et à distance. Grand et debout jusqu'à la main. Salomé, 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 quelle est la plus belle photo pour toi? Il y a une photographe qui s'appelle Martine Barra. J'ai acheté pratiquement toutes ses photos il y a depuis 10 ans sur la boxe. Mm-hmm. Elle ne va pas forcément dans les grands combats. Elle photographie souvent les... La vie. Oui, derrière les rings. Tu vois, on a un ring ici. Mm-hmm. Et souvent, les rings et les la salles de boxe. Intérieure, voilà. Quoi, la cuisine il n'y a pas intérieure. Grand-chose. Et les boxeurs qui viennent s'entraîner, ils n'ont pas grand-chose non plus. J'ai des photos, un jour je t'amènerai chez moi, tu verras les photos de Martine Barra, de gens avec leurs gamins, des boxeurs avec les mains encore bandées, avec tout ce que ça veut dire de lutte contre la merde, de défiance à la société et de dignité. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, moi j'ai fait beaucoup de combats, assommer moi-même ou assommer l'autre, peu importe, l'un des deux allait toujours voir l'autre le plus vite possible. À la fin, on ne touchait pas l'oseille avant d'aller voir le mec. Parce que c'était ça, notre truc. Et ouais, vous voyez tout ce qu'on peut dire autour d'une photo, tout simplement. Oui, c'est une photo, et j'en ai plein. De alors, une de deuxième. Mm-hmm. Bon, si jamais tu étais donc né à Harlem, quel artiste tu aurais voulu être? J'aurais aimé être Ray Sugar Robinson. Dans la qui boxe. Un grand artiste de la boxe, ouais. C'est vrai. Et qui était un grand chanteur aussi. Ben voilà. J'aurais aimé être ce mec. Je vais te piéger. Et qu'est-ce que tu aurais aimé chanter de lui comme ça, deux grains de guitare comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu chanter? Qu'est-ce que j'aurais pu chanter? Qu'est-ce que je sais pas. C'est dans les années 50, hein? Ouais, non, qu'est-ce que j'aurais parce pu chanter? Quand il venait ici de ce avec genre de blues, mais oui. De ce genre de musique-là. Mets-toi un peu un blues, là. Allez-y, bah, fais-moi un blues. Bah, bah. Vas-y, fais grincer la guitare, là. C'était quand même quelque chose. Salut Manu. Ah ça. Oui, 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 oui. Ah. Salut Manu. Oui, oui, qu'est-ce qu'on a dit là, sur ce blues-là? Salut Manu. Ray Sugar Robinson. Le plus grand boxeur du monde. Gentleman Jim. Était très bien élevé par sa mère. Impeccable. Il allait tous les jours au temple. Et un jour, il a été braqué avec une petite bande de braqueurs de Harlem. Salut, Manu. Et Ray Sugar Robinson, Chou. Qui était un homme très élégant, très honnête, élevé par sa mère d'une façon correcte, et le dernier à se faire choper par un prêtre irlandais. Yeah. Un palais, un ancien boxeur. Il lui dit, petit, t'appelles comment?
m'appelle Rachel Robinson. Et lui dit, viens voir par là, toi, Rachel Robinson. Sous le temple, j'ai une salle de boxe. Ça, c'est la vraie histoire de Rachel Robinson. J'ai une salle de boxe et tu vas boxer. Et Rachel Robinson, il a boxé à partir du moment où le prêtre irlandais de ce putain de quartier de Harlem lui a dit, dis donc, t'es en train de faucher dans les troncs d'église. Viens donc boxer en dessous. Alors, il était tellement doué pour boxer qu'il est devenu champion du monde, pratiquement toute catégorie. Mais qui n'a jamais, jamais perdu ni son élégance, ni son intelligence, ni sa dignité, ni sa lucidité. Et Rachel Robinson est devenu ensuite un des plus grands mythes, un des plus grands mythes de la boxe, un des plus grands mythes de Harlem, et un des plus grands mythes du blues. Continue le voyage parce que finalement nous ne faisons pas des clips, nous faisons des trips. C'est bon, bien, hein? Plus économique en plus. Voilà, pour un ticket de métro, on peut directement aller voir et écouter ce que nous allons faire d'ailleurs ensemble. Césaria et Vora. Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando nem. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando nem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem ninguém. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem ninguém. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Se vou esquecer, muito esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito escrever, se vou esquecer, muito esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, elle chante quelque chose que j'adore. Elle chante en portugais. Moi, j'ai l'accent brésilien. Uma coisa brasileira. Hein? Le portugais, mais eu entendo todas as coisas. Et je comprends tout ce qu'elle raconte. On va essayer de faire quelque chose parce que entre Bernard, vous et nous, il y a la, déjà aussi la latinité. L'afro-latinité. L'afro-latinité, oui, les deux. Ça peut nous amener jusqu'au Brésil. Le vrai. Est-ce qu'elle peut nous faire quelque chose du Brésil qu'elle aime bien? Um canção popular do Brasil, não? Sim, aquele. Como tu enganas, aquele da boca que não ensaia. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Bravo! Bernard, tu as compris ce qu'elle a chanté là? C'est toujours la même chose, elle parle de souffrance de base. C'est-à-dire que dans tout ce genre de pays de latinité, il y a une quête de l'absolu, quoi. Et on ne souffre pas des autres, en réalité. On souffre de sa quête d'absolu. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on est à la hauteur de son destin? Et ça, c'est pareil. C'est comme le gamin qui chante pour faire lever le soleil. Dans Feu Negro, quand ce magnifique mec est mort, à la recherche de sa femme qui a disparu dans les larmes de la mort, il l'a cherchée. Et elle chante comme une chanteuse brésilienne que moi, j'ai adorée, qui est morte maintenant, de s'être brûlée. C'est brûlé. Elle a brûlé sa vie avec sa voix, elle a brûlé sa vie avec ses émotions. Elle est morte un peu trop jeune, elle s'appelait Elis Regine. Et pour moi, c'est. En comparaison avec ici, ce serait Edith Piaf, qui a aussi brûlé sa vie avec ses sentiments, sa voix, son talent et son exigence. C'est un peu un parallèle, Elis Regine à Edith Piaf. Christine! Yo, yo, yo! Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec des gars fort sympathiques. C'est les départements E. Ils nous arrivent. Yeah! Ah, ben, dis donc. On peut applaudir pour eux. Ils nous arrivent tout droit du 13e arrondissement vers la porte d'Italie. Ils sont nés là-bas il y a une vingtaine d'années avant qu'il y avait le béton. On va voir un sujet sur leur quartier. Mais j'aimerais bien vous signaler un grand événement. Ils vont participer au festival de Africouleur. C'est un grand festival qui se déroule à Marseille et dans la Réunion en même temps. Et les départements, eux, vont jouer avec Papa Wemba et d'autres gens super qu'on a eu sur les mises. Bon, Bonnie Biquet, wow. Et Zap Mama. Ah, ouais. Et c'est le 18 décembre dans le théâtre de Gérard Philippe à Saint-Denis. Alors, on compte sur vous d'être là pour le festival de Africouleur. Mais tout de suite, on va regarder le grand sujet sur le département E dans le 13e arrondissement à Paris. Dans la vie, déjà, t'as plusieurs départements, quoi.
75 pour Paris, t'as le département de la police, département pour ci, pour ça. Mais il manque un département, quoi. Le département E, le département de l'équilibre. Le message est clair, pour que tu sois heureux, il n'y a pas de mystère, il faut que tu t'éclates, arrêtons de subir. Personne ne te mate et tout le monde transpire au même titre que toi. Alors oublie tout ce cul, pour les tralala dans la partie. Cul, feront du chocolat toute leur vie. Tous sur le coup, les corps de gâchis. Moi, ne soyez pas plus avant l'âge, je la surprenais le large. Vivez la vie, ouais, du bon côté, le temps est court, autant profiter. Alors, voilà, là on se trouve chez moi, j'ai toujours vécu ici quoi, et maintenant c'est un peu mort, il n'y a plus grand chose quoi, ça bouge plus trop. Avant il y a une bonne animation, mais maintenant tous les jeunes sont partis, il n'y a plus grand chose quoi, c'est vachement réduit quoi. Moi j'habite à l'escalier là-bas tout au fond, l'escalier du fond, avant on était tous là sur le bord ici, on était archi nombreux, ça bougeait bien quoi. Puis là ils sont, comme tu vois, ils sont en train de tout reconstruire, donc c'est pas trop kiffant quoi. Je m'installe, ma boire est bonne. Check, one, two, my check, check, one, two, je sens le mic à mon tour de rougir. Si tu veux subir, évite mon chemin, car je viens pour guérir, où il attira demain. Ça, où tout le monde pourrait aller. Allez, venir sans vous parler. Les cinq continents, en une nation, comme ça serait bon, donc agissons au lieu. C'est encore des vrais loyers. Ouais. Ouais, il y avait un club avant aussi. Bien quoi. Avec ping-pong, billard, tout ça. C'est sympa quoi. Tout le monde se retrouvait là, juste derrière. Club de l'éléphant blanc, ça s'appelait. Tu vois. C'était pas cher, tout le monde pouvait venir. C'était jour et nuit. Hyper cool quoi. Bonne ambiance. C'est affreux quoi, ça a plus aucune vie. Non, ça devient chaud, vraiment chaud. Écoute, PHON, Kaki, encore une fois, viens t'aller savoir à taper là pour stopper les dégâts, stopper les faux débats et tuer un copain latino, mais oui, ce n'est pas le pire, c'est. Le rassemblement. Bon, le département, eux, c'est un post-it qui vient du 13, parce qu'on est tous du 13e. C'est pas du tout un post-it fermé, quoi. C'est une grande communauté ouverte à toutes les personnes de bonne volonté, quoi. Tous ceux qui avancent dans la même direction peuvent revenir dans le E, quoi. Mais dans le bon esprit, quoi. Serein. Voici le Fox Joe Funk. Joe Funk Fox, ou la Fox Fox Joe. Tenite comme le rock, c'est trois noms ou un saut. Le E de Lilith est lancé. Yeah. Par 92, peut-être l'année. Du boum, badaboum pour les clowns. Je dis boum, mais m'adresse. Pas à tous les clowns, mais aux clowns du show business. Balance-moi la suite, easy. Oh yeah, je reviens dans la partie. Je prends le F, le O, le X pour démarrer le mix. J'enchaîne avec le D, le J, le O. J'y ajoute le P, le H, le O, le N, le K. Et si tu connais le résultat, le Fox Joe Funk. Ne soyez pas, Dieu avant l'âge. Je la surprenais le large, vivez la vie ouais du bon côté, le temps est court, autant en profiter. Alors c'est le Fox Joe Funk. 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 Joe Funk Fox. Ou alors Funk Fox Joe. De l'élite comme le rock, c'est trois noms ou un saut. Le E de l'élite est lancé. Yeah. C'est notre sanctuaire de travail, tu vois. On vient ici tous les soirs. On travaille à peu près de 8h à 5-6h du matin pour le métro, quoi. C'est un peu dur parce qu'il n'y a pas de fenêtre, tout ça. Mais bon, on est habitué, quoi. Et on aime ça. Ouais, ouais. 1, 2, 3. Et revoilà le groove qui me permet de bouger. L'alerte rouge permet de me réexprimer. Quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, face à le microphone, on est les Fox vous balance. Tout en cadence et tout en souplesse. L'histoire du département, qui pièce par pièce, bâtit son édifice au table des box-office. Fixe la Fox au table des box-office, mon fils, car le mix est chaud. C'est pas de propagande et pas de provocation, action. Une action, voilà ce que vous préconise. À l'époque où tout se fout des crises et du fait que les procs c'est net, face à la quête auprès des prostituées qu'ils raquettent jusqu'à la tête. Et voici la masse, bon c'est pas sa porte qui s'arrête. Je masse à les menaces, des vagues, menaces, personne ne taille. Qui sont sur les rails, ma besoin comme les phénomènes. De l'aide, de l'usée, augmente tes ouais. Pour toutes les âmes, en prison le néant, j'ai bien pulvérisé le voile. Je fume pas la table, parce que même ça, je le dévoile. Sur les mêmes que 25, je masse à les déballes. Je suis les ouzorfants qui dynamiquent, qui trafiquent à bord de l'histoire. Et de la vie radicale, ouais, c'est bon comme ça. On jouait au hand quand on était môme comme ça, quoi. Le père de Fox nous amenait jouer, faire les matchs et tout. À l'école, tout. C'est une longue histoire, quoi. C'est le rap, c'est un truc qui nous a solidifié, mais bon, je veux dire, on est plus solide que ça, quoi. Je veux dire, on est... Brother. Brother, quoi. On a grandi ensemble et puis on vivra ensemble, quoi.
Yes. Département E, comme éternel. Alors, on va pas faire la police, mais il faut se présenter. Alors, moi, c'est Geronimo di Fonc, Latino Parigo chez Manu di Bango. Yes, sir. Oh. Moi, et toi? Moi, c'est Joseph Desjou, nom de scène, et pour le E aussi. Uh-huh. Et toi? Fox 4, pour Manu di Bango aussi. On va envoyer un petit message de paix, là, et d'amour. Qu'est-ce qui, pour vous, a changé dans votre quartier, en bien et en mal? Ce qui a changé en bien pour moi, c'est que plus j'habite dans le quartier, plus je connais de gens, plus je rencontre de personnes et plus il y a de communication. Enfin, je parle pour moi et pour les gens qui m'entourent, quoi, pas pour tout le monde. Mm-hmm. Et ce qui est très mauvais, c'est toutes les destructions, tout ce qu'on voit justement dans le reportage, toutes les... La délocalisation. La délocalisation, tous les problèmes comme ça, quoi. Les problèmes raciaux, tout ça. Parce que c'est un quartier très, très, très métissé, quoi. Et ça pose des fois des problèmes, mais c'est aussi son meilleur côté. Si vous avez d'autres copains qui ont des sujets comme ça autour de la musique dans des quartiers différents, hein, ils peuvent nous envoyer ces compas et ces cassettes-là, et puis nous nous permettrons de passer la même soirée comme nous passons ensemble avec vous en ce moment. Et nous allons la passer davantage avec le morceau que vous nous avez amené avec Tito et son Soul Makossa Gang. Le morceau s'appelle Aimons-nous tous. Aimons-nous tous, je vous dis. Aimons-nous tous et la vie sera good quality. Tout le monde. Aimons-nous tous, je vous dis. Sera good quality. Écoute, les temps sont durs, les temps sont durs. Durer la vie et tu n'as pas à faire allure. Respecte ton père, respecte ta soeur, respecte ta famille. Je suis public bivalent pour t'annoncer ceci. Si t'en es limite, passe en bras ton aide. Dans le métro ou dans les supermarchés, dans vos boulots et dans les assemblées. Blé, 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 blé. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous. Comme pour le mec, comme pour le mec, comme pour le mec. Les temps sont durs, les temps sont durs. Durer la vie et tu n'as pas à faire à l'eau. Les temps sont durs. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, je vous dis. Aimons-nous tous, la vie soit good quality people. Pourquoi les nations se font des conflits en permanence? L'autorisation de la population, c'est une démence. Nous sommes en 92 et pourtant aucune avance. Pas avant, je sens le vide, je sens la décadence. Bombe à l'eau ou bombe nucléaire, pour faire avancer le monde, c'est l'amour ou la guerre choisie. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, tous. Aimons-nous tous, du grand jusqu'à la bourse. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous. Les temps sont durs, les temps sont durs. Durer la vie, tu n'as pas à faire allure. Les temps sont durs, les temps sont durs. Voilà les pères. Bien trop souvent, on a vu, je ne peux pas, j'imagine. À droite, à gauche, sur terre, les gens s'exclament. Que la mort progresse à grande vitesse, et celle qui doit tout venir. La planète se calcine, l'argent fait des victimes. On comprend la guerre, l'idée sur terre, que l'amour est grand, à quoi ça rime. Je ne sors pas de carabine, mais je vais la vie de manière à deviner comment stopper ma machine. Je connais mon rocker, je sortais de chez moi. Quand surgit le facteur qui me dit, viens, c'est pour toi. Et là, j'ai fait remplir mon cœur en l'ouvrant le courrier. Bientôt dans une caserne, mon pauvre crâne rasé. Le malheur, ça va, pas pour le mammifère. L'année 80, je m'appelle le deuxième militaire. C'est ce que je ressens et pour ma course en hiver. Chope à l'armement et peuple du verre. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous, tous. Aimons-nous tous, du temps jusqu'à la bourse. Aimons-nous tous, aimons-nous tous, aimons-nous tous. Thank you.
One go. La 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 la
Tu seras un homme, mon fils. C'est toi qui dis ceci. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de son parti, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu peux être bon, si tu peux être sage sans être moral ni pédant. Si tu peux recevoir triomphe après défaite. Considérer ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Mais ce qui vaut bien mieux que les rois est la gloire. Salut.